carnet. Vous pourriez au moins parler les langues, vous qui parlez si brillamment le matin. Normalement, je parlais un peu l'espagnol. Oui, vous parlez du foot tous les matins. Bon, on va parler du film, juge. Vous l'avez vu les uns les autres, le film? Évidemment, je vous l'avais demandé. Oui. Donc, qui a vu Double Zéro? Moi, j'ai vu le chef. Oui. Alors, chef, quand je l'ai vu, j'ai repensé au film de Laurent Baffi. Vraiment pas snob, donc c'est vrai que c'est un mot prétentieux qu'il faut quand même prendre avec des pincettes. J'ai eu l'occasion de voyager sur la côte ouest, notamment à Los Angeles, où là en revanche vous ressentez beaucoup plus de façon beaucoup plus prononcée une certaine forme de prétention et d'arrogance. Vernis d'un côté, authenticité de l'autre. Oui, on pourrait dire ça. Vous, pendant plus de 3 ans, vous avez séjourné régulièrement, enfin vous étiez new-yorkaise pendant même presque 5 ans, oui. Presque 5 ans, ouais. Et en particulier pour couvrir, comme on dit, une actualité pour France 2, puisque vous étiez au bureau de la essentiellement, de, oui, de France 2 à New York. Essentiellement, je ne travaillais pas que pour eux, essentiellement. Bah, il y a un défaut, c'est qu'on a ce traitement. Le traitement de l'information, je crois. Alors, il y avait le traitement de l'information quand vous êtes à l'étranger, c'est tourbillon, que finalement, vous répondez toujours à une demande qui émane de Paris et de la France. Or, effectivement, ce qui intéresse, c'est franchement, je le répète, je le redis, mais, voilà. mais c'est en fait c'est ça, c'est-à-dire que vous avez une demande qui vient de Paris, ouais, qui en général, c'est pas une. C'est qu'une peut-être avant tout temps, quand qu'une c'est la langue. On est un endroit où on a assez. Le printemps, il n'est pas rare qu'on passe assez rapidement, quasiment d'un hiver à un été, mais. Pour moi, la saison reste l'été parce qu'il fait excessivement
mais surtout avec l'hiver, il fait très froid, mais c'est très vivifiant et surtout c'est très agréable. Vous aviez on les voit plus de main. Oui, c'est beau, ça va. No, si sepa nuestro, es el chile que es, ¿no? Non, elle est là-bas la voiture. Thank you.
pas la question de chercher celle-là. Celle-là, il y a quelque chose de l'infini. Donc, on arrive à 100. Comme celui-là, là, là, c'est 100. Donc, il y a une là. Ça, c'est des 15 et 4. Dans la rue Là, oui, le trou, là, il est dans la rue. Ok. De l'anthropologie sociale ou de l'anthropologie culturelle, donc sont en plein dans la pensée de Alpes. Et en même temps, enfin, pas là, la faiblesse de cette pensée, c'est que, c'est exagéré, mais il a tendance à minimiser le physiologique dans la mémoire neurologique. Finalement, l'influence de Alpes est connue de tous, ressentie par tous, et n'a pas été signalée aussi officiellement. Comment l'expliquez-vous ça, Michel Dinck, ces effets de mémoire collective, justement? Oui, eh bien, je n'en sais rien. On reste de la couverture. Maurice Alpes. Merci encore Michel Dinck. Merci. Il est 9h. Le journal Air des Gardettes. Le projet de réforme de l'assurance maladie entame une nouvelle étape aujourd'hui avec sa présentation au Conseil des ministres. Cet après-midi, la commission des comptes de la sécurité sociale publie ses prévisions pour 2004. Aura lieu le 21 novembre prochain et il sera consacré à l'élection de son nouveau.
Je sais pas quel fermier serait fou pour cultiver ici. Et puis, aller de la musique de chambre au jazz, et un jazz assez pointu. Alors, Régis trouve que c'est pas vraiment un spectacle jazz. Moi, je pense que c'est quand même du jazz. Et c'est ça l'intérêt de Bruno Fontaine, qui avait notamment été en tournée avec Ute Lumper. En fait, parce que Bruno, avec qui je devais faire le projet, n'était plus disponible, il n'avait plus que ça à faire, donc on est parti sur une autre aventure avec une autre équipe. Et c'est formidable parce qu'en fait, quand on parle avec Bruno Fontaine, il est incroyablement. J'ai travaillé avec une équipe jeune. Thank you.
Avant l'orage, ouais. Parce qu'est-ce que c'est ces nuages qui s'approchent de ce côté-là, hein? C'est de la pluie. Ouais. Oh, t'imagines, c'est comment ça pleut ici? Alors, et les tuiles de la caméra. Avec les cinq histoires naturelles de Maurice Ravel, ainsi que l'écrit en 1906. Alors, autant Ravel mettait en musique
moi qu'on va lui rendre. Oh, you're right.
Il y a un petit temps, il y a du temps quelque part. Non ? C'est sympa pour expliquer ça. Donc, je veux dire que c'est un temps qui est là. De l'hôtel des trois ressens, on leur montrait nos cuves et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête, ça, les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux.
grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire, et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sourd que moi, et qu'au vermillier. Il y a 34 personnes. Tu vas pouvoir faire un test.
Je vais faire plaisir.